Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo assez spéciale sur GTA V. Parce que ouais, aujourd'hui, on est Stark directement. Déjà, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on est dans notre maison qui se trouve à Los Santos, tout simplement. Vous savez pas qu'il avait une maison? Moi, je te le dis, il a une maison ici, tu vois. Alors bon, je vais pas te faire un tour du propriétaire, comme on dit, tu vois. Parce que c'est pas forcément le sujet principal de la vidéo. Moi, je voulais juste faire une intro, plutôt pas trop mal, tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être raté, tu me diras, mais bref. Bref, on a une journée de super-héros assez hardcore qui nous attend. Et ce sera pas à Los Santos. Et ouais, ce sera dans une autre ville, vous verrez ça. Ok, boy. C'est ça qu'on attend, frérot. C'est ça qu'on veut voir. Oh là là. Non, mais c'est plutôt bien placé. Quand t'es là, frère, y a personne qui t'emmerde avec le voisinage. Alors, il y a une mise à jour de l'armure, etc., comme vous avez pu le voir. Dans les autres modes, ça se comportait pas comme ça. Et là, en plus, on peut aller à une vitesse. C'est assez ouf. Limite, on peut... Wesh, tellement je vais vite, on va me ramener les flics, c'est un truc de ouf. La ville que je voulais vous montrer, elle se trouve juste derrière ces belles montagnes. Alors, j'ai pas envie de gâcher ce moment parce que c'est un moment très stylé, tu vois. Du coup, où est-ce que je peux me placer? À mon avis, c'est juste là, voilà. Donc juste après là, normalement, on va voir quelque chose de très 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 beau. Voilà, j'espère vraiment de tout cœur que ça va être joli parce que putain de merde. Ah, franchement, j'imaginais ça plus ou moins comme ça. Ouais. En plus, avec le lever du soleil là-bas. Bon, il y a encore des. Ah, il y a une partie de la map qui charge pas. Ça prend du temps. En fait, c'est tellement grand, tu vois, que. Laisse tomber, le PC il pète un peu un câble, on va pas se mentir. On va avancer un peu le temps. Oh, c'est beau, sa mère. Voilà, c'est beau. Vous l'aurez compris, en gros, c'est la ville de Liberty City. Implantée tout simplement dans GTA V. Auparavant, je l'avais déjà fait. Mais c'était vraiment que la ville de GTA 4 tout seul, tu vois. Et là, c'est vraiment implémenté au délire, tu vois. C'est-à-dire là, si tu vois la carte, c'est là-dedans, frérot, tu vois. C'est collé, tu vois. Et il y a des voitures, il y a de la circulation. Bon, ce qui est trop marrant, c'est que la circulation, elle est un peu... Voilà, c'est un peu le bordel, tu vois. Les gens, ils ont un peu du mal à circuler, tu vois. Mais ils y arrivent quand même. Et il y a un autre pont là qui emmène directement. Il est long, sa mère, tu vois. Ça emmène directement à la ville. Je voulais quand même vous montrer en détail parce que c'est méga stylé, tu vois. Allez, allez. Tu fais le... Ok, lui... Aïe, aïe, aïe. Lui, il a pas voulu faire le truc. Il a dit là, le pont, il est un peu chelou. Y a pas quelqu'un qui est intéressé d'aller à Liberty City? Voilà, le premier. Allez, le deuxième, monsieur, le deuxième. Le deuxième. Allez, je vous montre le... Ah ouais, j'avoue, c'est pas comme ça que tu vas encourager les gens à y aller, tu vois. Si on fait de la sorte, là, par exemple, si on veut envoyer le monsieur, tu dis, allez, vas-y, ta mère, tu... Waouh. Ouais, ça marche, ça, tu vois, il y a des gens qui disent, bon, là, vous comprenez, le haram, hein. Allez, on va à Liberty City. Allez, 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 ça bouge, ça y va, allez, c'est bien, ça fait plaisir. Bon, là, je vais vous montrer, c'est quoi, c'est des flics, ça, ou c'est... Voilà, c'est même pas des flics. C'est qui, ces gens? Ah ouais, c'est des gens, t'as les gangs. T'inquiète, c'est la brigade anti-mode, en fait, j'ai compris. Non, t'inquiète, c'est des gens de chez Rockstar Games, c'est sûr et certain. D'ailleurs, sans blague, je pense que la personne qui a fait ce mode, d'ailleurs, elle a pas laissé à disposition ce mode, justement, parce qu'elle peut être dans la merde. Rockstar Games n'aime pas quand t'essaies d'implémenter des maps d'autres jeux dans leur jeu actuel. Ouais, c'est un peu... Waouh, voilà ce que je voulais vous montrer. Ouais, c'est bien. Bah, ça veut dire que ça fonctionne bien. En fait, il y a des crimes qui se passent en temps réel, tu vois. C'est une vraie ville, en fait. C'est vraiment comme New York, le délire. Et moi, je suis là, je vais régler le problème assez rapidement. Voilà. Normalement, il reste un ennemi, il est... Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà, c'est bon, là, c'est rentré dans l'ordre. Donc, je disais, Rockstar Games n'aime pas quand tu essayes d'implémenter des matériaux d'autres jeux, tu vois. Alors, il y a quelqu'un qui a été foutu dans la merde à cause de ça, justement. C'est quelqu'un qui a essayé de mettre la carte de Red Dead Redemption 1 dans Red Dead Redemption 2. Et à ce qui paraît, il est vraiment dans une grosse merde à cause de ça. Tout ça pour des mods et s'amuser, tu vois. Donc, voilà, je préfère le dire. S'il y a quelqu'un chez Rockstar qui passe sur la vidéo, je suis pas responsable de ce qui se passe à l'écran. Voilà, c'est pas moi qui l'a créé. Mais par contre, je m'amuse de ouf. Voilà, je préfère le dire. C'est vraiment quelque chose de beau, tu vois. Je suis vraiment fier d'avoir pu l'installer, tu vois. Parce que je pensais pas pouvoir le faire. C'est tellement galère. Et ouais, comme je l'ai dit, il y a des voitures qui passent partout, à des endroits même qui n'ont pas de sens. Frère, il y a des gens qui passent avec leur voiture au niveau de la plage. Bon, peut-être pas là, tu vois. Mais ah voilà, il y a des gens carrément, ils vont dans l'eau, tu vois, ça j'ai pas compris. C'est ça qui fait crash le jeu des fois, c'est que il y a un peu des incohérences, tu vois. Ouais, c'est un peu chelou. Mais genre là, si tu vas quelque part par là, je sais que normalement il y a des voitures qui passent. Il y a des voitures, voilà, là il y a des voitures qui passent. Là il y a même des gens qui... Ah bah c'est encore des ennemis, ça, hein. Ça c'est encore des ennemis, frérot. Et d'ailleurs, je sais pas si je t'ai montré ça, vu que je vous ai dit c'est la mise à jour. Ça c'est magnifique. Tu te mets au niveau des endroits où il y a beaucoup de circulation généralement. Tu t'amuses beaucoup avec ce genre de trucs.
Mais là du coup ils sont tellement résistants les ennemis que je les ai pas butés, tu vois. Ça les envoie dans le décor, mais ça les bute pas pour autant, tu vois. Ce mode avec les crimes, c'est censé imiter les crimes en temps réel qui se passent dans la ville de New York, dans Spider-Man PS4. Ça a été créé aussi par le mec qui a fait le mode Iron Man, mode Spider-Man, tout ça, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment stylé. Tac. Voilà, tu vois. Tu me remercies ou pas, l'hélico? Même pas un merci. Voilà, t'es un bâtard. Non, tu mérites pas. Tu mérites pas. Allez, un petit coup comme ça pour la route. Quoique je crois il va. Ah, il va. Ouais. Miskin. Ouais, il s'est passé quoi là? Waouh. C'est magnifique. Voilà, je te laisse la vie sauve, frère. Voilà, tu l'as mérité. Franchement, ça c'était magnifique. Du coup, ouais, des voitures partout, frère. Voilà, c'est beau de voir la ville de GTA 4 vivante. Et c'est beau, t'as l'impression que ça fait vraiment partie du jeu. Parce que même les arbres, tu vois, ils bougent et tout. Parce que moi, quand j'avais joué à la map de GTA 4 dans GTA 5 il y a 2 ans, c'était pas ça. Genre, les arbres, c'était des cubes, c'est n'importe quoi, frère. Mais ouais, tu vois, là, c'est fonctionnel, tu vois. Bon, ça sera jamais parfait, tu vois. Vraiment, la perfection n'existe pas de toute façon. Mais ouais, c'est fonctionnel, tu vois. Genre, tu peux jouer une demi-heure, 45 minutes avant que ça crache. Et c'est déjà un truc de malade, tu vois. Moi, j'aurais jamais imaginé même que ça puisse marcher 5 minutes, frère, tu vois. Enfin bref, on va appeler notre poteau Spider-Man, tu vois, parce que bon, c'est fun tout seul dans la ville, mais c'est mieux à 2 ou 3, tu vois ce que je veux dire. Ça va être assez bizarre, je préfère vous prévenir, mais oh, il est là, frère, il est venu assez rapidement. Du coup, frérot, tu me suis ou pas? Tu me suis, hein? Ouais, il a l'air de comprendre qu'il doit me suivre, etc. Enfin bref, là, on va aller voir des crimes, tu vois. On va essayer de combattre le crime ensemble et on va voir est-ce que. Ah, mais ouais, ils sont là, frère, parce que des fois, ils spawnent en dessous de la map et je comprends pas beaucoup, tu vois ce que je veux dire. Bon. Tu viens m'aider ou pas, frère? J'essaie de lui laisser une chance, de montrer un peu qu'est-ce qu'il a appris, tu vois, quand il était pas à la maison. Eh, mais frère, non, vas-y. Par contre, je vais pas me laisser faire, là. Je vais pas me laisser faire, les reilles. J'ai dit, je vais pas me laisser faire. Ah, il arrive. Ouais, c'est ça, les reilles, c'est ça. Ouais, c'est bien. Alors, tu me défends ou pas? Ok, là, il s'en bat les couilles. Non, en fait, c'est toi que je dois taper, j'ai compris. C'est toi que je dois taper, là. C'est pas possible. Merde! Ouais, il bug vraiment. Il bug un peu trop, là. C'est. Je lui dis, les choses ne se passent jamais vraiment comme prévu. Aïe 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 aïe. Bon, même ça là, c'était pas prévu du tout. Par sa mère. Ça, c'est trop stylé, frère. Vraiment, il a des attaques, mais vraiment méga stylé. T'es moi, frère. Ah ouais, lui, il est en train de viser quelqu'un qui est dans l'eau. Ah ouais, ça. Ouh. C'est le monde à l'envers. Des gens dans l'eau, il va les éclater. Mais le mec à côté, non. T'es moi, frère. Parce que là, je suis en train de faire la vérification. Ah ouais, il a buté, c'est bon. Il s'est noyé, frère. Mort naturelle, t'as rien foutu en vérité. Allez, lui, tu l'éclates. Allez, Peter. Ouais, mais vraiment il m'énerve là. Attends, je vais lui faire une petite piqûre de rappel là. Il est où là? Nique ta mère. Ah bah super, premier crash. S'il était sérieux 2 secondes, ça aurait pas fait ça. Yeah boy. Beau gosse. Bon, frérot, t'es prêt à te rattraper là? Nique ta mère. Parce que c'est toi. Oh putain, c'est pas. J'allais dire, c'est toi qui as fait crasher mon jeu et là c'est le cas. C'était plus drôle que chiant. Même si c'est chiant en vrai pour moi, je vais pas mentir. Non, nique sa mère, tu sais quoi, je vais remplacer Spider-Man, c'est plus possible. Comme je vous ai dit, il y a une solution à tout, tu vois. Donc, j'ai pas eu le choix que d'appeler un remplaçant. Alors, je sais pas où est-ce qu'il se trouve exactement, mais normalement. Oui, j'ai vu un truc passer là. Attends, il va descendre. Ouais. Ah, voilà. C'est pareil, tu vas pas faire, c'est vraiment pareil. C'est juste que, voilà quoi, tu vois, il est un peu plus musclé. Mais c'est un bon remplaçant, frère. Bon, Spider-Man, est-ce que t'es prêt de combattre le crime et de faire les choses bien? Bien sûr, mon Ray. Ouais, je pense qu'il est OP, ouais. Ouais, oh là, par contre, il faudra que tu fasses attention quand tu te déplaces. Parce qu'après, les gens, alors regarde, parce que là, par exemple, si on veut juste se déplacer ici. Bah, c'est ça le problème avec toi. T'es pas délicat? Mais wesh, mais non, mais frère, tu peux pas faire ça, frère. Tu peux pas faire ça. Regarde, tu fais des trous dans la map, frère. Mais si ça continue, on va se battre contre les flics, là, ça va. Waouh, ça. On va se battre contre les flics seulement, hein. Là, ça va pas du tout, frère. Allez, tu t'occupes d'eux. Waouh. Alors là, par contre. Regarde, il est parti, là. La voiture. Non, viens, on va prendre un peu d'altitude. Non, on va essayer de... Ouais, vas-y, toi, fais ta vie de ton côté, tu vois. On essaie de semer les flics et on revient après, d'accord? Mais maintenant, comment c'est stylé. La première personne. Tac. Tac. Allez, tac. Waouh. C'est beau gosse. Non, aïe. Non, en vrai, comment c'est kiffant d'être sur cette plage. Cette plage emblématique, j'ai envie de dire. Du coup, ouais, je sais que c'est pas logique, mais il y a des voitures qui passent par ici aussi, frère. C'est absolument n'importe quoi, frérot. Mais c'est trop bien foutu. Vraiment, ça veut dire que je peux passer vraiment au moins 2-3 heures à visiter la map et ne pas m'ennuyer, tu vois. Et en plus, il y a des situations totalement genre improbables comme ça, là. Genre, pour faire demi-tour, le mec, il est obligé de faire ça. Il est pas bugué, je vais l'aider, miskin. Voilà, maintenant, tu circules. Toi aussi, tu circules ta race. J'ai envie de me faire un kiff. Attends, là, pour les séparer un petit peu.
Rasta. Oh, c'est stylé ça, mec. Alors oui, on combat le crime, mais ça veut pas dire qu'on a pas le droit de s'amuser, tu vois. Des fois, on a le droit. Tu vois, ça, à mon avis, c'est une petite compensation, tu vois. Tout en sachant que des fois, on se tape des crashs. Donc on a... Waouh. Ah, un crime peut-être. S'il est fonctionnel, il y a un crime. Ouais, il y a un crime là dans le coin. Ouais, ça fonctionne. Hulk, il y a une mission pour toi, frérot. Voilà, comment elle a débarqué, frère. Comme un Avenger, je te jure. Comme un Avenger. Allez, bats-toi, frérot, bats-toi. Allez, ouais, c'est bien. Voilà, lui, il se bat bien. Lui, il m'écoute pas comme l'autre, là, frère. L'incapable. Allez, ta. Trop stylé. Franchement, c'est ça qu'il faut, tu vois. Quand tu veux t'amuser, tu combats le crime avec des poteaux, frère. Avec des putains de poteaux. Des poteaux qui font pas cracher ton jeu, frère. Allez, Hulk, tu me suis ou pas? Voilà, sans éclater la ville, frère. Ouais. Bon, en vérité, la ville elle-même, elle s'éclate. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est... Bon, là, tu vois, il y a une situation à débloquer. Quand tu vois un truc comme ça, c'est qu'il faut... Il faut débloquer, voilà, comme ça. Putain, c'est pas possible, frère. Vite, il y a un crime, frérot. Il y a un crime, je sais pas, est-ce que c'est sur un immeuble ou là, si c'est même dans l'autre ville. Alors là, je n'ai aucune idée. Peut-être que c'est sur le pont. Ah, c'est là. Sauf que là, c'est pas fonctionnel comme d'habitude. Ah, ils sont en bas. Ah bah non. Ah bah si, ils sont là, wesh. What the fuck. Genre, ils sont mis dans un petit coin comme ça, frère. Ils ont traversé le pont, ils ont atterri là. Allez, Hulk. Ouais. Smash. Allez, tu les éclates, frère. Tu les éclates. Tu fais le taf, frérot. Allez, tu t'exécutes. Ah ouais, là, il veut plus obéir, je crois. Non, là, il fait... Là il fait le thug. Là il fait le thug. Mais je crois que c'est le moment. Non, pas le flic. Mais le flic il a rien fait, frère. C'est une victime. Oh putain, il a pas compris le but de combattre le crime, lui, hein. Voilà, tu les éclates. Ouais, c'est bien. Ah, ça fait plaisir. En vrai, je me demande si ça serait pas une bonne idée d'appeler tonton Thanos, tu vois, pour qu'il nous aide un petit peu aussi, tu vois. La communication elle passe mieux avec Thanos, je pense. Parce que là, Hulk, j'ai l'impression, il a rien dans le cerveau là. J'ai envie d'utiliser un peu les nouvelles trucs là. Il y a ça là qui est pas mal. Ça allait. Aïe, c'est passé quoi là? Oh là, il a gâché mon attaque en plus. Attends. Mais en plus, surtout, eux là, ils sont forts, frère. Ils ont une vie, on dirait c'est vraiment, c'est des boss finales. Oh! Waouh. Mais là, tu les as vraiment sauvés, frère. Et par contre, je sais pas si c'est possible, tu vois. Mais en tout cas, ça serait un rêve de pouvoir jouer avec des mods, mais en coop avec tes potes. Genre, littéralement, ça serait vraiment le meilleur jeu, frère. Laisse tomber. Alors. Ah, d'accord. Putain. Tu vois, frère? C'est un truc de ouf. Bon, tu nous dis merci ou pas? Ingrat, frère. Voilà, ils sont trop ingrats. Tu vois ce que je veux dire? On est là, on se pète la tête pour que après eux, ils se barrent genre sans dire merci, frère. N'est-ce pas? Trouve pas ça un peu chiant? Trouve pas ça genre un peu chiant, frère? Regardez, je vais vous montrer un truc, c'est vraiment n'importe quoi. Genre même au niveau de l'aéroport, il y a des voitures qui passent, tu vois. Genre, ça n'a pas de sens, on est d'accord, tu vois, ça n'a pas de sens. Mais c'est tellement amusant. Et le mec, il a même ajouté un autre aéroport au niveau de la map. Bon, je vais vous montrer rapidement, tu vois. C'est à l'autre bout de la ville en vérité. Je sais pas pourquoi il s'est tapé ce délire. Il a pris une partie de la map de GTA 4. Tu vois, genre, tu vas reconnaître quelques trucs. Je crois qu'il y a même une partie de la map de GTA 5, même. C'est n'importe quoi. Ah voilà, ça vient de la map de GTA 4. Toi, il a fait vraiment une schlada, comme on dit, une salade, frère. J'ai pas compris. Et ouais, il y a des voitures qui passent un peu partout. Voilà, c'était juste la petite anecdote. Je voulais vous montrer ça. Mais aussi pour pouvoir faire mon petit kiff, voilà. On va pas se mentir, tu vois. Ça. Voilà, ça, c'est le kiff. Ça, c'est... Toujours avec le petit charme des ponts faits maison, tu vois. Ça n'a pas de sens, wallah, mais c'est trop kiffant à voir. Je sais pas, tu vois, on dirait c'est vraiment un truc fait à la main, tu vois. C'est trop stylé. Du coup, comment il a appelé ça, lui? North Airport, ça veut dire l'aéroport du Nord. Ok, comme gare du Nord, mais aéroport du Nord, tu m'as compris. J'ai bien envie d'appeler tonton Thanos, frérot. Qu'est-ce que c'est que ce mystère? Ah. Wesh, il me fait des feintes, là. Il est en dessous de la map, j'en suis sûr et certain. D'après mon avis d'expert, on va le voir débarquer ici, tu vois. C'est assez probable. C'est pas très... Ah, voilà, qu'est-ce que je t'ai dit, frérot. Par contre, malheureusement, c'est vraiment son point faible. Tonton Thanos, l'eau, il est en train de taper la nage ici. Non, mais frère, t'as pas compris, la ville, c'est derrière. On va l'envoyer dans le décor, ça va l'aider. Ah, je vais te montrer tous les... Waouh, voilà ce que je voulais faire. C'est incroyable, là, il est dans le ciel. Voilà. Mais replonge pas dans l'eau, le hamar. Viens ici, voilà. Par contre, frérot, tu m'expliques c'est quoi le truc là? Le gant? C'est quoi ce plagiat comme ça, frère? C'est quoi ce plagiat? Bon, vas-y, je te pardonne, c'est pas grave. Pour te faire pardonner, tu vas m'aider à combattre le crime. Enfin, soi-disant combattre le crime, parce qu'en vrai, depuis tout à l'heure, ce qu'on fait, c'est un peu tout sauf ça, mais bref. Ah, d'ailleurs, en parlant de crime, il y en a un là. Est-ce qu'il sera fonctionnel ou bien est-ce qu'on va être boycott par le jeu? Telle est la question, frère. Bon. Ah, voilà, frère, voilà. Ah non, il est là. Il est en train de faire le tour, le Hamar, il est en train de faire le tour. Non, tu veux. Ah bah si. Il est vraiment rentré comme ça. Allez, tu viens, frère, tu les éclates. Allez. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. J'ai dit, c'est pas mal. Mais vas-y, tu fais le taf, tu continues.
Voilà, tu le coupes en deux. Ouais, frère. Tu te calmes. Heureusement que j'ai désactivé le fait qu'il découpe en deux. Sinon, frère, démonétisé. Oh. Doucement, frère. Voilà, t'es un malade. Putain. Tard. Voilà, ça c'est bien. Ah, mais je sais pas si c'était utile de faire ça là. Tu les as brûlés, Msaken. Ils sont en train de souffrir. Pourquoi tu fais pas les choses? Tu abrèges pas leur souffrance. Toujours, tu dois faire des trucs genre violents. Moi, je fais des trucs, tu vois, qui sont brefs. Voilà, tu vois, là, c'est rapide et efficace. Aïe, 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 aïe. Ouais, non, waouh. Franchement, c'est trop un kiff de voir ça. Bon, il en reste un dernier, frère. Il est juste là. T'es sérieux, là? Tu le laisses me taper comme ça? Tu le laisses me haggar? Tu le laisses me haggar comme ça, là? Il est encore là. Mais il est encore vivant, en plus. Tu voulais pas faire ça, mais voilà, bien fait. Voilà, bien fait, frérot. Ah, ça commence pas très bien, tout ça, là. Franchement, ça s'annonce pas très bien, le feat, là. Attends. Ah, oh, ça, c'est beau. Oh, c'est magnifique, frère. Mais Théma, il y a des gens, ils sortent d'où? J'ai vu une voiture sortir de là. Il a même mis un itinéraire. Attends, mais qu'est-ce que c'est? What the fuck? Attends. Il y a des gens, ils viennent d'où, là? Les gens, ils viennent d'où? Ah, mais ça fait ramer l'ordi, en plus. C'est totalement incroyable. T'as des gens, ils sont en train de faire des rondes dans un parking. On sait pas pourquoi, frère. Bon, vous savez quoi? Fiston, il me manque. Quand je dis fiston, c'est Peter, quoi. Du coup, je pense on va passer un peu encore quelques moments, on va dire. Par contre, il y a un truc que j'ai omis de vous raconter. C'est que, bon, on est en dispute, sa mère et moi. En fait, elle veut garder le gosse indéfiniment, tu vois. Elle veut m'en priver, tout simplement. Et ouais, elle veut la garder exclusive. Cette folle, c'est une malade. Je dis, écoute, c'est mon gosse, je l'ai élevé et tout. Et toi, tu veux me le prendre comme ça? C'est une folle, tu vois. Tout ça pour raconter, tu vois, que on risque peut-être de la voir durant la vidéo parce que là il est pas contente qu'on soit ensemble, tu vois, s'il était au courant, voilà. Et ça risque d'atterrir dans ses oreilles d'ici, tu sais, dans la ville, ça parle, parce qu'il y a des poucaves partout, du coup. Voilà, on va essayer. Wesh, ça tape des drifts là-bas, frère. Bref, tu m'as compris, on va essayer de s'amuser tout simplement encore un peu en attendant que cette connasse elle vienne récupérer son gosse. Bon, fiston, tu restes proche de moi, d'accord? Il y a un crime juste là, frère. S'il est fonctionnel. Ah, il est fonctionnel. Par contre, il va trop vite, je crois pas. Ouais, c'est pas pour lui, hein. Là, c'est un bail de... C'est un bail de... Il faut aller en face, là, comme ça. Et il faut les empêcher de passer, tu vois. Normalement... Hop. Pas sa mère. Voilà. Aïe. Waouh. Alors, je voulais pas envoyer la voiture de flic dans le décor, mais malheureusement, je l'ai fait. C'est tellement efficace. Ça, c'est beau, frère. Ta missile dans ta race. Toi aussi. Putain, le temps qu'il arrive, le fiston, là... on aura déjà niqué toute la ville, frère. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Allez, retour au fiston, il est où? Ah ouais, aussi j'ai oublié de vous dire par rapport à sa mère, c'est qu'elle a trouvé un nouveau mec, tu vois. Et soi-disant parce qu'il a fait un film dernièrement, c'est bon, Zama, elle croit qu'elle a le meilleur mec du monde. Vas-y, j'en ai fait des films, et pourtant je prends pas la grosse tête. Mais vas-y, tu vois, genre, elle se croit intéressante, elle et son gars là, font pitié sa mère. Attends, là il faut aller sur le toit de l'immeuble là. Je sais pas si on va. Oh ouais, ils sont là, frère. Ils sont présents. They are present, man. Merci. Ouais, oh, c'était rapide. Par contre, l'autre, il est toujours en train de tomber. Oula. Ah, il est là, frère. Trop de style, frère. L'autre, il est encore dans l'autre île, là, frère. C'est pas possible. Mais il est con, ce gamin. Wesh, il est où? Mais toi, t'es vraiment... Franchement, j'aime pas ça, tu vois. J'aime pas te taper, mais des fois, j'ai l'impression que t'en as besoin. Juste pour que tu te réveilles un peu, quoi. Putain, maintenant, il y a les flics qui vont venir juste parce que je t'ai tapé un peu, frère. Quel daron irresponsable, c'est pas possible. Attends, frère, attends. Il y a des gens là, il faut les niquer. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'es pas assez rapide, frérot. Je sais pas si tu vas pouvoir tenir le coup. Bon, on va régler ça assez rapidement, mais de la manière la plus plaisante possible. Puisque de toute façon, mon fiston, il va pas venir régler la situation, tu vois, il est tellement lent. Mais moi, je peux essayer de régler la situation moi-même. Si tu vois ce que je veux dire. Mais là, lui, il est totalement incompétent. Mais j'en reviens pas. Ah, par contre, ça, tu sais faire. Hein. La poudre de perlimpinpin, courir contre les murs, tout ça, là, tu sais faire. Mais quand. Qu'est-ce qu'il a fait là? Zama, là, il est fier de lui là. Là, Zama, il est très fier de lui. Zama, il a fait un truc. Waouh, bravo. C'est bien. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre, frère? Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Ouais, je t'ai mal, lui, il a l'arme de Thanos. En fait, je vous explique, normalement, c'est un pied de biche. Et dans le jeu, en fait, pour installer mode Thanos, il faut remplacer le pied de biche par l'épée. Enfin bref, c'est une longue histoire, frérot. Du coup, c'est des lieutenants de Thanos quelque part. Quel bâtard. À dire que tout à l'heure, il a fait genre qu'il m'aidait. Alors qu'en fait, c'était des sous-traitants, on va dire. Ok, c'est le dernier, frère. Ah. Waouh. C'est un kiff. J'aime trop éclater des gens avec mon gosse. Même si lui, c'est juste courir contre les murs. Mais vas-y, on va faire genre que lui aussi, il a participé. Juste pour qu'il se sente pas nul, tu vois. N'est-ce pas, frérot? Non, ça c'est... Non, le missile, ça sert à rien. C'était un peu trop, frère. Mais qu'est-ce qu'il fout, lui? Ah, mais non. Remonte, frère, remonte. Remonte, ta mère. Je vais te faire comme tonton Thanos tout à l'heure, là. Là, ça va l'aider, normalement. Ta. Voilà. Là, c'est bien, frère. Voilà, là, c'est efficace. J'espère qu'il est pas mort. Non, ça va, il est là.
Bon, puisque tu kiffes bien nager, viens, je vais t'emmener à la plage, frère. Viens, viens. Fiston, tu viens ou pas? Stylé. Voilà, moi j'aime bien cette. Cette plage, même si elle est un peu polluée malheureusement, ça devient un peu le bordel, je vais pas te mentir. C'est pour ça que des fois j'aime bien faire un peu le ménage, tu vois ou pas. J'aime bien un peu faire le ménage, tu vois ce que je veux dire ou pas. Ah là, quand il s'agit de nager, ah là il kiffe hein. Là franchement on dirait c'est Noël. Bon là plus trop on dirait. Ils sont jamais satisfaits ces enfants, c'est pas possible. Bon allez, continue de t'amuser encore un peu, on va bouger dans pas longtemps. Parce que là frère, y'a pas que ça à foutre. Tout le temps t'es là, ouais je veux nager. Oh putain frère, y a ta daronne. What the fuck. Attends. Écoute, déjà je voulais faire plaisir à ton gosse et t'es là, tu m'éclates. Alright, j'ai capté le bail. Ah, puisque c'est comme ça, moi aussi je vais ramener un poteau. Je vais ramener un poteau, tu vas voir. Là j'ai besoin de tonton Thanos là, c'est pas possible. Ok frère, bon, je t'explique. Si tu vois la reine des neiges, ne panique pas. Juste nique-lui sa mère, genre de cette manière. Si tu la, voilà, tu le fais ça. Oula, tu veux pas prendre ton épée là frérot? Tu la prends là comme ça. Tu la prends juste comme ça. Tac, voilà. Non mais non, Yahweh les stars. Why? Non mais non. Pourquoi tu fais ça? Le combat il a pas commencé frère. Donc là malheureusement il y aura un combat de ouf. Ça veut dire il y aura les flics, il y aura après l'autre là et son gars frère. Le tonton là il a fait n'importe quoi. Du coup il faut faire le ménage malheureusement. Faut bien que la reine soit libre. Bon là t'as l'autre connasse qui va débarquer. Et t'as son gars là. Waouh. Attends. Je vais ramener son poteau là. Là je vous dis ça va être le bordel. C'est lui que je t'ai dit qu'il a fait un film. T'as capté ou pas la vanne? Voilà c'est drôle de ouf. Et vu qu'ils sont bleus, ils sont match. What, il est déjà mort? Il est déjà mort. Ah putain, voilà tant mieux. Cher, t'as plus de mec maintenant. Et c'est toi qui l'as buté. Tu peux que t'en vouloir à toi frère. Ou meuf, enfin bref. Elle a combien de vie là? 5000, oh la connasse. J'avoue là c'est chaud. Bon, il est où là le frérot? Thanos? Ouais c'est bien. Thanos contre la reine des neiges. Est-ce que c'est pas quelque chose d'insolite? Waouh. Attends. Ah, quoi? Mais j'allais convoquer les flics, frère. Je voulais 5 étoiles, tout ça pour. Oh. Ouah, non, mais frère. Bon bah voilà quoi. Le problème est réglé. Je vais pas relancer un combat, frère. Écoute, c'est fait, hein. Bon, un petit coup de balai là. Voilà fiston, ça fait plaisir d'être avec toi à la maison. Et tout ça grâce à tonton Thanos. Bon, la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que ta mère elle est die. Mais bon, j'ai envie de dire la vie continue, tu vois ce que je veux dire. Et puis elle avait qu'à pas me faire chier cette grosse p... Si on peut retenir un truc de la vidéo, je dirais, il n'y a rien de plus important que la famille. Surtout dans ces périodes-là où voilà, il faut justement faire attention à vous. Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que j'ai pu faire un message de prévention même avec autant de conneries, tu vois? Ouais, tout ça pour dire, prenez soin de vous, surtout dans ces périodes. Bon courage à tous, force à vous, force à nous. Et puis voilà, prenez soin de vous. J'ai la prochaine vidéo. Peace. Et oui, prenez soin de votre famille, mais des fois c'est bien. Tu sais, un petit très hard. Waouh. Oh, il a traversé le plafond, mon frère.